Éric Berthès est un designer industriel emblématique de sa génération. Diplômé de l'école Boulle et de l'ESDI, il fonde l'agence Planète Design et se tourne vers l'univers du luxe pour renouer avec les savoir-faire du geste qu'on lui a enseigné. Il signe avec la même inspiration des séries limitées prestigieuses ou des produits du quotidien. Il ne faut pas se fier aux apparences, s'il n'oublie jamais d'être sympathique et chaleureux, c'est aussi un forcené de travail que nous avons suivi dans l'une de ces journées trépidantes ordinaires. Ce jour-là commence autour d'un nouveau prototype de tabouret. Dans cet atelier, les petits objets comme les pièces de mobilier sont réalisés dans une version prototype pour valider tous les paramètres de production. Puis séance photo décontractée avec Raoul Dobremel, un des photographes du 36. Le premier modèle d'un canapé part dans quelques heures pour un salon à Milan. Éric participe à de nombreux rendez-vous incontournables comme Maison et Objets, où il a présenté sa version technologique du Tam Tam de Branex Design. Une maîtrise des volumes et du mobilier qui le conduit régulièrement à concevoir des espaces VIP dans des lieux prestigieux. Puis rendez-vous avec deux graphistes pour une refonte du site internet ericberthes.com. Sarah Hamon, l'attachée de presse, pilote la présentation. Déjeuner sur le pouce en compagnie du complice de toujours, Bruno Morscheid, cofondateur du 36. Validation des différents projets en préparation sur lesquels l'agence travaille. Grâce à sa maîtrise de l'étain, réputée comme un matériau difficile, Éric collabore régulièrement avec de nombreuses marques de champagne, comme Bollinger. Il est aussi directeur artistique de l'Orfèvrerie d'Anjou. Rendez-vous client à la cantine, un espace de travail collaboratif proche de l'agence Planète Design. Avant la réunion, dernière mise au point avec Sarah sur le déroulé de la présentation. Le rendez-vous est réussi, retour à l'agence où chacun retrouve son téléphone. Puis Éric fait un aller-retour au Bon Marché pour contrôler l'installation d'une scénographie de produits. Chez Planète Design, les journées se prolongent souvent par des rencontres autour d'un verre ou d'un repas. C'est ainsi que se préparent les nouvelles surprises de demain.